salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la dernière vidéo sur Lighttown, le dernier épisode. Je vais tout vous expliquer durant la vidéo, mais voilà, on voulait pas terminer sur une série, fini à l'arrache. Donc, comme un gros sac, j'ai oublié d'enregistrer ma voix sur la vidéo que vous pouvez voir en fond. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette voix off. Mais de toute façon, ça sera pas bien long, puisque vous avez peut-être dû voir dans les épisodes précédents, notamment l'épisode 4 et l'épisode 1, je crois, où j'ai pu discuter, Mélanie et moi, on a pu discuter, c'était cool, avec le créateur de la map, sur des points où on a été bloqué, où on se disait « What the fuck, ça sert à quoi ce truc-là » Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses, il n'y a pas vraiment de signification réelle, et que nous, on a voulu trouver un objectif là où il n'y en avait pas. Je vous explique. En fait, quand j'ai posé les créateurs de la map, je l'ai presque assassiné de questions, c'est incroyable. Et en fait, c'est une map d'exploration, c'est pas une map, comment dire, avec un but... en mode survie comme nous on l'a fait, même s'il a trouvé ça sympathique et il nous en remercie, je le remercie aussi parce qu'il a vraiment fait un gros taf de malade. Mais en fait voilà, c'est vraiment une map destinée à l'exploration et non à la survie pure et dure comme nous on l'a fait, enfin pure et dure, ouais, on a juste pillé toutes les baraques autour, mais ouais, tout va bien. Mais sinon voilà, c'est une map d'exploration encore une fois, du coup... voilà, on pouvait pas terminer la série avec Mélanie avec le but ultime de la série, mais au moins je tenais quand même à vous expliquer. Vous verrez peut-être en fond là à ce moment-là aussi, avec la magie du montage. On a découvert un nouveau passage secret, une petite pièce sympathique avec Mélanie dans notre maison là où on était, et pourtant on n'avait vraiment pas vu. Et c'est Mélanie qui m'a montré ça, parce qu'elle, faut savoir qu'elle l'avait installé en solo sur son ordinateur local. Et c'est-à-dire qu'elle a pété presque toute la map, donc elle a pu trouver des choses qu'on était passé à côté en vidéo. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier déjà d'avoir suivi... pour ceux ou celles qui ont suivi la série, c'était vraiment sympa à tourner. On réussira de faire une nouvelle petite mini-série comme ça sur les maps avec Mélanie, et peut-être trouver une map vraiment survie cette fois. Mais c'est vrai que c'était mal indiqué sur le site, il y avait vraiment tout un mystère autour de ce lac, sur la pièce d'en dessous, tout ça, mais ça laissait pas penser que c'était une map purement destinée à l'exploration, quoi. C'est-à-dire que... on aurait dit voilà que ça a amené à un but, à trouver quelque chose, un trésor ou je sais pas trop quoi. Donc c'est vrai que sur le site c'était un peu mal dit. Mais bon, c'est-à-dire que je pense, enfin le mec était pas français, donc peut-être la traduction, voilà, il a peut-être pas bien géré, ou c'est pas lui qui l'a fait, moi je sais rien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas évidemment à télécharger sa map, évidemment. Elle sera en description, elle est même dans les 4 premiers épisodes, hein, vous pouvez checker, hein, il y a le lien de téléchargement de sa map, c'est évidemment... le minimum vital quand même. Et puis n'hésitez pas à partager, liker toutes nos vidéos. Je vais faire une playlist d'ailleurs pour répertorier tous les épisodes. C'était franchement cool à tourner. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Et puis à prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.